Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Solidarité Santé, le MAG. Environ 115 jeunes filles de moins de 17 ans sont concernées chaque année dans nos départements par une grossesse précoce. Il faut savoir que ce sont des chiffres en augmentation depuis les dernières statistiques de l'Éducation nationale pour l'année 2007-2008 et restent bien en deçà de la réalité vu qu'il ne s'agit que des jeunes filles scolarisées. Alors qu'est-ce qui pousse les adolescentes à devenir maman? Est-ce par naïveté ou au contraire un choix délibéré? Est-ce un manque d'information sur la contraception? Grossesse précoce, quand jouer à la poupée n'est plus un jeu, c'est le thème que nous abordons cette semaine. Mais pour l'heure, on retrouve notre rubrique, le mot du psy. La socialisation, c'est un long processus qui commence très tôt. Dès l'arrivée de l'enfant, les parents vont permettre à cet enfant d'avoir un enseignement des règles de la vie sociale pour l'insérer dans différents réseaux. Et ça passe par trois mécanismes. Le mécanisme de l'imitation, de l'identification et de l'introjection. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où l'image est vraiment prévalente, c'est-à-dire l'image domine tout, la télévision, les jeux vidéo, le Facebook. Donc cette technologie numérique est très importante et a un rôle très 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 important également sur la socialisation de l'enfant, mais plus particulièrement de l'adolescent. Donc les parents, l'école, les adultes ont effectivement un rôle aussi incontournable d'encadrement de tout ce qui concerne cette révolution numérique pour les enfants et les adolescents. Pourquoi ? Parce que les jeux vidéo peuvent véhiculer, c'est pas tous les jeux vidéo, mais peuvent véhiculer une certaine violence que l'enfant ne pourra pas forcément réguler et gérer. Et tout ce qui concerne, par exemple, le portable, quand un jeune, des adolescents, vous savez qu'ils sont très dépendants du portable, du téléphone portable ou du MSN, ils peuvent passer des nuits à s'envoyer des messages, là aussi, les parents doivent mettre des limites. Donc, la socialisation, c'est vraiment un processus incontournable aujourd'hui, où plus que jamais, l'adulte a tout son rôle et toute sa place. Bonjour Laurence. Bonjour Valérie. Alors vous êtes docteur gynécologue obstétricien. C'est bien ça. Tout d'abord, quels sont les risques de la grossesse pour d'aussi jeunes femmes sur un plan médical? Donc les risques sont que ce sont des grossesses qui sont moins bien suivies, qui sont déclarées plus tardivement. Ce sont des grossesses à risque? Ce sont des grossesses à risque, en effet. Et donc il y a plus de risques en fait d'anémie pendant la grossesse, de menaces d'accouchement prématuré et surtout à la naissance, on constate que les enfants sont de poids de naissance inférieur. Mais pourquoi au bébé. Cela? C'est dû à la croissance qui n'est pas terminée vraiment? Voilà, ça peut être un facteur de risque, lié au fait que le développement chez des très jeunes filles n'est pas terminé, que l'utérus en fait doit assurer quand même l'alimentation du fœtus et doit avoir une croissance suffisante pour pouvoir assumer ce rôle. Abordons maintenant la question de la contraception qui est tout de même essentielle. Pourquoi a-t-on l'impression que les jeunes femmes et les jeunes garçons ont difficilement accès à la contraception malgré toutes les campagnes de communication, malgré toutes les contraceptions possibles à l'heure actuelle? Alors, il y a plusieurs. Il y a peut-être un défaut de dialogue en fait au sein de la famille, y compris pour les jeunes femmes et les jeunes hommes en effet. Il y a toujours ce tabou autour de la sexualité. Il y a toujours ce tabou autour de la sexualité vis-à-vis entre les parents et les jeunes. Ouais. Et donc, je pense qu'il faudrait en parler assez tôt, sans forcément avoir de tabou, sans que ça soit quelque chose de. Voilà, il faut en parler librement à ces jeunes, donc il y a ça. Est-ce qu'il y a des lieux où les jeunes peuvent se rendre pour demander une contraception sans forcément avoir à en parler à leurs parents, si c'est vraiment difficile avec les parents? Bien sûr, voilà. Donc en fait, tout est organisé pour. Il y a les centres de planning familiaux qui permettent de prescrire une contraception, donc avec l'accord d'un médecin ou d'une sage-femme à ces jeunes filles, en s'assurant qu'il n'y ait pas de contre-indication à cette contraception. Et ça se fait gratuitement et sans forcément l'accord des parents. L'avantage, c'est qu'on peut délivrer des messages concernant également les maladies sexuellement transmissibles, puisque c'est lors des premiers rapports, faut bien insister sur la contraception orale, mais aussi sur le préservatif, qui est important, parce qu'on est un département où il y a quand même un taux d'infection qui est élevé, y compris chez les jeunes. Oui, parce que là, évidemment, aujourd'hui, on parle des grossesses précoces, mais il y a également le problème des maladies sexuellement transmissibles qui est important, en sachant qu'on est un département d'outre-mer où le taux d'infection est élevé. Tout à fait.
Les IVG, il y a également dans ces lieux où les jeunes peuvent se rendre, il y a également une information concernant les IVG. Bien sûr, il y a une prise en charge des IVG, enfin des femmes, des jeunes filles qui sont enceintes et qui ne veulent pas, qui ne veulent pas garder l'enfant. Mm-hmm. Les IVG peuvent être, on peut y avoir recours dans ces centres de planning familial. Mm-hmm. On n'est pas obligé d'y aller avec un parent. Il faut qu'il y ait une personne majeure, par contre, qui se porte garant et qui accompagne la personne mineure. En tout cas, ces jeunes femmes ont des possibilités, ont des lieux où se rendre et des gens à qui elles peuvent parler en cas de grossesse précoce. Bien sûr, tout est fait pour. Et donc, il faut peut-être lever les tabous utiliser les outils dont on dispose actuellement. Merci beaucoup Laurence. Je vous propose tout de suite de retrouver notre deuxième invitée. Avec elle, nous parlerons de la prise en charge sociale de ces toutes jeunes femmes. Bonjour Céline. Bonjour Valérie. Les toutes jeunes filles n'ont-elles pas souvent une représentation presque idyllique de ce qu'est la maternité ? Alors c'est sûr qu'il y a une différence entre le désir de grossesse et le désir d'enfant. Des fois, on peut observer un désir de grossesse, mais en fait qui est associé à un désir de changement de statut. Mm-hmm. Une jeune fille qui a envie de se sentir femme et qui veut justement devenir mère afin d'arriver à ce statut. Donc parfois, c'est délicat de savoir justement pourquoi cette grossesse, c'est ce qu'il y a un objectif. Est-ce que parfois c'est pas un manque affectif qu'elles veulent combler? Ça peut être aussi un manque affectif à combler et justement qui les pousse à avoir cette grossesse pour combler ce vide. Alors vous êtes sage-femme en PMI. Mm-hmm. D'un point de vue social, comment est-ce que vous accompagnez ces toutes jeunes femmes, ces toutes jeunes mères à s'insérer dans la société et à accomplir leur souhait de devenir maman? Alors, en PMI, la PMI, c'est la protection maternelle et infantile. Mm-hmm. Nous faisons des suivis de grossesse mineure, chez les mineurs du moins, et ça implique le partenariat avec la sage-femme, l'assistante sociale, la péricultrice. Mm-hmm. Donc, la première chose à faire, j'ai envie de dire, c'est de déjà analyser le contexte dans lequel la grossesse va évoluer. Donc, mm-hmm. le contexte familial, savoir si c'est une grossesse qui est acceptée par la jeune fille d'une part, par sa famille, par oui. le père de l'enfant, la famille du père, et de voir ensuite qu'est-ce qu'on peut proposer à la jeune fille. Alors dans le cas où c'est pas du tout accepté par la famille et que c'est une jeune fille qui se retrouve donc seule et parfois bien souvent mm-hmm. abandonnée par le futur papa, existe-t-il un dispositif de placement en foyer, des choses comme ça? Alors oui, nous avons par exemple la maison maternelle, la maison départementale de l'enfance qui est située aux Abîmes, qui accueille les jeunes filles enceintes et donc nous travaillons avec elles pour justement élaborer un projet de vie. Donc par rapport à la scolarité, après la naissance, nous essayons de voir qu'est-ce qu'elles projettent mm-hmm. une fois que l'enfant sera là avec elles. Et donc nous pouvons effectuer des placements dans des maisons départementales avec la jeune fille. C'est-à-dire vous les accompagnez après? Ah oui, surtout après. Voilà, donc nous préparons l'avant. Donc nous avons notamment des entretiens donc avec la jeune fille, notamment l'entretien prénatal précoce, où nous évaluons un petit peu les attentes de la jeune fille par rapport à sa grossesse. On essaie mm-hmm. d'adapter le suivi par rapport à ce qu'elle ressent, ce dont elle a besoin. Nous essayons de rencontrer aussi la famille, avec la jeune fille ou sans la jeune fille. Et puis par la suite, avec l'assistante sociale, nous essayons de faire le point sur les droits de la jeune fille, puisqu'elle va être mère, donc il y a beaucoup de choses qui vont changer pour tout elle. À fait. Et puis, bien sûr, nous faisons tout ce qui est préparation à la naissance et surtout à la parentalité. Puisque l'accouchement, c'est un petit moment, mais tout ce qui vient après, je pense que c'est la phase la plus difficile pour une jeune fille. Donc nous essayons de travailler dès la grossesse à cette préparation. Et bien sûr, après l'accouchement, nous l'encadrons avec la péricultrice à domicile où elle vient au dispensaire. Alors justement, Céline, je vous propose de suivre le témoignage de Mylène. Elle a eu son bébé à l'âge de 17 ans, elle en a aujourd'hui 30 et elle nous parle de son parcours en toute confiance. On se retrouve tout à l'heure. Alors j'ai eu mon premier enfant à 16 ans et demi. J'étais donc lycéenne en première et j'ai été très soutenue aussi bien par ma famille que par le père du bébé qui est mon compagnon actuel et aussi par le corps enseignant. J'ai été beaucoup soutenue, cela m'a permis de mener à bien aussi bien ma grossesse que
avec l'arrivée du bébé, de continuer par la suite mes études et me permettre aujourd'hui d'exercer une profession et de continuer ma vie aussi bien avec le père du bébé. Donc pour moi, ça s'est très bien passé. C'est vrai, il y a eu des moments difficiles, mais soutenu par ma famille, mes amis et tout le monde autour de moi, ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Le conseil que je donnerais aux jeunes filles, aux jeunes mères actuellement, ce serait de ne pas se décourager, d'avoir confiance en elles, parce qu'on peut y arriver. Et si on est soutenu, c'est bien. Maintenant, si on a un peu moins de soutien, il faut puiser sa force. Et l'enfant qui est à naître, c'est une force supplémentaire qui permet d'aller plus loin et de faire de grandes choses. On l'a vu avec le cas de Mylène, les choses ne se sont pas trop mal terminées, hein, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc, quel conseil donneriez-vous aux toutes jeunes filles qui commencent à peine leur vie amoureuse ? Ce qui semble important, c'est qu'il faut savoir s'aimer soi d'abord et prendre le temps de faire les choses. Et nous essayons de faire un travail avec les écoles sur l'estime de soi, apprendre aux jeunes filles que leur corps se développe, qu'il faut savoir prendre le temps pour faire les choses et éviter la casse. Donc, voilà. Être prudente, c'est ne pas être croire aux premiers mots d'amour qu'elles entendent, c'est ça? On aurait envie de dire ça comme ça. Mais c'est vraiment prendre le temps. Et puis, ne pas faire les choses parce qu'on nous conseille de les faire ou parce que la copine ça fait, le fait bien. Et de faire les choses vraiment comme on le sent, comme on a envie de les faire. En temps et en heure. En temps et en heure. Merci beaucoup, Céline. Merci à vous. Sans plus tarder, retrouvons notre rubrique « Le saviez-vous ?» suivi de l'agenda de la semaine prochaine, bien sûr, avec nos rendez-vous de santé et de solidarité. Une étude a montré que les femmes qui laissent s'accumuler les kilos au fil des années auraient 3 fois plus de risques d'attraper un cancer du sein. L'excès de poids oblige en effet le corps à produire plus d'insuline et d'œstrogènes, ce qui stimule la croissance des cancers. Aussi, pour réduire le risque de développer cette maladie, maintenez votre indice de masse corporelle à 25. Le 16 octobre, c'est la journée mondiale de l'alimentation, une journée qui vise à mieux faire connaissance et mieux connaître les problèmes alimentaires dans le monde et renforcer la solidarité dans la lutte contre la faim, la malnutrition et la pauvreté. Du 17 au 23 octobre, c'est la semaine mondiale de l'allaitement maternel. C'est l'occasion pour des organisations, des associations, des hommes et des femmes du monde entier de soutenir, d'encourager et de protéger l'allaitement maternel. Du 18 au 23 octobre, une semaine à l'école pour parler et faire parler des leucodystrophies, maladies qui se caractérisent par une atteinte de la substance blanche du cerveau entraînant de graves déficiences mentales et motrices. Du 18 au 23 octobre, c'est la semaine bleue, semaine nationale des retraités et des personnes âgées à tout âge, acteurs proches et solidaires. Et enfin, je vous rappelle les lieux et dates de collecte de l'EFS aux horaires suivants. N'oublions pas, donner son sang, c'est sauver des vies. Comme d'habitude, l'adresse mail de l'émission est à votre disposition, solidaritésantélemag@gmail.com pour nous laisser tous vos commentaires, questions ou informations à communiquer. Nous voilà parvenus au terme de ce magazine. On se retrouve la semaine prochaine. Ensemble, nous parlerons de la santé mentale. Très bonne semaine à vous. À bientôt.